Ah, je suis pas venue, c'est pour souffrir, ok. Salut la famille, ça va ou quoi? Ça fait longtemps, hein. Je vais pas répéter les mêmes phrases à chaque fois. Ça fait longtemps, j'ai pas posté une nouvelle vidéo, c'est relou. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les parents. Mes parents vs les parents des autres. Ouais, c'est pour vous montrer un peu les différences. De toute façon, on a toujours l'impression que nos parents c'est les pires et les parents des autres c'est les meilleurs. Eh, c'est pas ça la vie. Hein. Juste les réveils le matin. Quand je vous dis, nos parents ne réveillent pas de la même manière. Hugues, mon chéri, allez, on se réveille. Allez, debout. Tu me réveilles comme ça le matin, va là-bas. Mais tu dois aller en cours, mon chéri. C'est l'heure, il faut aller à l'école. Écoute, tu m'énerves, en plus tu parles fort et tu me saoules. Tu vas aller à l'école. Oh, elle me saoule cette mère, j'en peux plus. Bon, Hugues, tu te réveilles. Putain, je vais la chuter. Oh putain, va là-bas. Bon, d'accord. Pascal, le grand frère. Où t'es, mon fils. Non. Non, mais doucement, papa! Tu dormais jusqu'à se tercer? Regarde, non, je suis propre, dépêche-toi! Mais pourquoi? Pourquoi? Non, non, allez tranquille! Oh, sa tête! Moi, répondre à mes parents! C'est quoi cette chambre? Hugues! Viens ici! Quoi? Pourquoi tu m'appelles? Hugues, tu peux m'expliquer? Range ta chambre un petit peu, non? Eh, déjà, c'est ma chambre, tu sors d'ici! T'as pas à rentrer? Ok. Hey, tu t'approches plus de ma chambre, sinon ça va mal aller pour toi. Tu me parles sur un entreton. Hey, j'ai peur de toi, moi. Qu'est-ce qui se passe là? Parle-lui. Hey, tu vas te calmer, toi, hein. T'as crise d'adolescence, c'est bon, ça va deux minutes, hein. Il a quoi le phrase charmant? Mais comment ça, franchement? Hey, tu veux te battre? Hey, vas-y, je vais te frapper, moi. Je te frapper. Leur fils Hugues est devenu incontrôlable. Va-t-il défoncer son père? C'est chaud, on dirait pas une émission genre tellement vraie. Hey, ça n'existe pas chez moi, c'est impossible. Dis-moi la télécommande. Non, de la télécommande. Ok, yo. Tu mou. Déjà, de l'attention. T'es la lienne. Mais maman, pourquoi tu changes? T'es relou. Pardon? Moi, je suis relou. Attends, je vais massacrer là. Tiens, ouais, relou. Alors, quand tu parles à ta mère. Tu m'as dit. Je suis massacré, je peux pas qu'un grand frère en pascaline ou là. Tu vas gonfler. Déjà, non, dépêche. Casse-toi d'ici. C'est bon, ouais. Casse-toi d'ici, toi. Non, là, ça t'est acmo. Attends. Par exemple, leur fils, il est en couple. La mère, elle est à côté. Allez, y'a pas de problème, ça les dérange pas, hein. Oh, tranquille. T'es à l'aise? Ouais, super. Tu me fais vibrer. Toi aussi. Bon, allez, c'est pour taureau, là. Fais ça ailleurs. Bon, allez, viens. Ouais. Ah ouais, non, mais moi, chez moi, ça n'arrivera jamais. Trop honte. On peut pas, c'est impossible. T'imagines? Ouais, de ouf. Parle avec qui? Non, arrête des mythos, la dernière fois, je t'ai fait un bisou. Bisous, ouais. T'es une galère. Hey, tu parles avec qui là? T'as dit quoi maman? Hey, pas de téléphone masqué ou... Non, je te jure. Hey, pas de ça ici, hein, je te massacre ici. Non. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, je faisais Rabia, c'est top, c'est Rabia, voilà, bisous. Ah, se fait bisous Rabia des environs. Et ouais, le menteur. Vas-y, c'est pas grave, je t'ai dans l'œil, hein, je t'ai dans l'œil. Ok, d'accord. Ah oh, ouais, calme espionnel, c'est un truc de ouf. J'ai pas de vie privée. Et le matin, quand t'es malade et t'as envie de rester dans ton lit? Jacques, sa mère, elle le laisse, hein, y'a pas de soucis. Ah, elle prend même un congé. Allez, chérie, debout. Il est 8h là, vous allez à l'école. Allez. Je suis malade. Comment ça, t'es malade? Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, j'ai mal à la tête. Oh, 35 de fièvre. Bon, j'appelle le SAMU, les pompiers. Bon, c'est bon, j'ai appelé le SAMU, j'ai appelé les pompiers. Maintenant, faut que j'appelle le lycée, d'accord? Ok. Oui, allô, je vous contacte car mon fils est gravement malade, il ne pourra pas aller à l'école aujourd'hui. Comment ça, il doit se... Il ne peut pas aller à l'école dans ces conditions-là, il est gravement malade! Oui. Il doit rester à la maison! Au revoir! Je respire. Voilà. Qu'est-ce qu'il a, le petit loupio, chéri, là? Regarde son état, il ne peut pas aller à l'école comme ça! Ah oui, c'est vrai qu'il est un temps assez basané, quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Il faudrait qu'on prenne une journée de congé, quand même, et pas laisser à l'école. Je suis tout à fait d'accord avec toi, je vais appeler le bureau là tout de suite, là. Vous allez rester avec moi, là? Bah oui. Bah, bien sûr, moi, c'est que de toi, hein! Putain, foutez le camp! Moi, je crois que ma mère va me laisser sécher, parce que je suis malade! Ah ouf! Hey, non! Ah, et tu. À quelle heure tu commences, t'es? Je commence à 8h. 8h? Ah, y'a l'autre, qu'est-ce que tu fais? Mais papa, je suis malade! Malade? J'avais malade! Je te jure, j'ai une gastro, papa! Comment ça, gastro? Attends, j'appelle ta. Hey, viens ici, viens! Quoi? Non, papa, maman, s'il te plaît! Allah, viens ici, viens! Je suis malade! Malade! Je suis encore plus malade! Je suis malade! Je suis malade! Je suis malade! L'attention! Cholestérol? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es pas à l'école? Oui, maman, j'ai la gastro! Je suis malade avec la gastro! La gastro? Non, même si t'es en train de crever! Tu casses à l'école! Non, t'es péchoir! Déjà, il est nul! En plus, tu veux sécher! Tu te lèves! Eh, 5 minutes! Je reviens, t'es prêt! Attends, même quand on est malade, on peut pas rester ici! Ah, gars, j'en ai marre! J'ai mal au ventre, je suis en train de crever, je dois aller à l'école. Allez. Voilà. Chier, ça va pas. Maman.
Eh, même quand on recevait les bulletins là, la boîte aux lettres. Je vous jure que moi et mon pote, c'était pas les mêmes conséquences quand on avait des sales notes. Bon fiston, on vient de recevoir ton bulletin, faut qu'on parle. Oui, quoi? Effectivement, hein, on a reçu tes notes catastrophiques, hein. Ah bon? 2 en philosophie, 3 en mathématiques. Comment tu expliques cela? Mais j'aime pas ces matières, moi, j'aime la musique. J'ai 15. Comment ça, la musique? Enfin. Bah, moi, je veux devenir rappeur. Alors, je vais t'expliquer un truc. Moi, j'ai rappé dans ma vie, hein. Ça va être tout simple, hein. Tu n'as pas le talent. Oh, t'es qui pour dire que j'ai pas de talent, là? Tu parles sur un autre ton. Parle, hein. Tu rencontres des soucis à l'école? Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu dois être frustré, je sais pas. Il faut. On peut en discuter. Ouais, je suis pas fou, hein. Bon, écoute, on oublie ça et tu feras mieux au deuxième semestre. Ok, garde-moi ça. Et d'où tu fouilles dans mes affaires, toi? Putain! Ses résultats sont en chute totale. Ses parents sont à bout. Hugues va-t-il enfin respecter ses parents? Ah ouais, non, on n'avait pas les mêmes exigences. Hein. Ah, pas du tout. Commissaire, c'est quoi ça? Je crois que je me suis trompé d'étage. Non, non, t'as pas trompé, c'est ici. Viens ici, je te massacre. Putain. Comment elle a fait pour avoir mon bulletin? Je suis dans la merde. Non, je rentre pas chez moi, c'est mort. C'est mort. Ah. Je suis dans la merde. Tu fais quoi ici? Bulletin catastrophique. Mais je te jure, papa, deuxième semestre, je m'améliore. Je te jure quoi? Je te jure. Je te jure, papa. Papa, s'il te plaît. Ah ouais, c'est bolos, ça. Ah, la vérité, moi, je regrette pas de m'avoir mangé des coups de ceinture, claquettes dans la gueule, télécommande. Finalement, nos parents, ils étaient autoritaires, mais moi, ça m'a pas dérangé tant que ça. Au contraire. Non, mais en vrai, on a tous eu une éducation différente. Après, c'est vrai, on a pas tous les mêmes parents, c'est normal. Mais faut les respecter, faut les aimer, faut prendre soin d'eux. Personnellement, je vais prendre soin que de ma mère, puisque mes parents l'ont divorcé. Pour ceux qui sont dans le même cas que moi, t'inquiète, on est ensemble. Puis voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube juste ici. Pour plus de vidéos, je vais essayer d'en faire là encore pas mal. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Snapchat aussi. Venez sur Snapchat, c'est marrant. T'inquiète. La puissance. Allez, salam alaikum.